Ça là, on la garde pour manger, là, pour tout le monde. Comme ça, une fois qu'ils ont fini, ça évite d'aller jusqu'au fond. Ah, c'est là, on la met pas de table ? Si, si. On la met pas. Comme les pompiers vont manger, comme ça, on est à côté, ils font pas de bruit. Denk je toch wel niet zo aantrekkelijker. Zeg, Frank, ze gaat niet goed, hè, jong. C'est la première fois que vous venez dans la région? Non, pas dans la. À Aubagne, ici, mais on a joué déjà à Istres. Ah, Istres. Martigues. Et l'année prochaine, on va jouer la trilogie à Marseille. Et j'espère qu'on pourra aller vous voir. À Marseille, en mois de septembre. Ah, comme l'année prochaine. La même période. Oui. La trilogie, alors. Oui. C'est bien. Bonjour. Bonjour. Je vais vous contrôler. Ah. C'est une bonne idée, ça. Non, j'assieds pas, mais il faut, apparemment. Merci. Bah, asseyez-vous où vous voulez. Merci. Bonjour. Merci. Vous pouvez monter. Van Jong voor Jeannette. Oh, die heb ik geen kaart gekregen. Onbegrijpelijk. Na al die jaren nog altijd zo ongast. Allez Gobert, monte. Et toi Jasmin, content avec ton joli costume? Ça va, on gagne sa croûte. Et vous, un sauvage jusqu'à la fin de vos jours? C'est ma nature, hein? Allez, emmène ton père qui l'attrapa la crève le dernier jour. Merci, Fortule. Je penserai souvent à toi. Gobert, salut. Salut. Alors Caroline? C'est fini les laits? Il faudra que j'aille voir le fonds. Il te faut un bouc. On va écorcher un renard, comme ça on pourra t'acheter un petit. Ah, ce n'est plus la peine, le troisième verre. Il est mort? Non. Parti chez son fils. Il est vieux. Beau lapin? Bon, je crains qu'il ne soit pas bon. Ce n'est pas encore la saison. Mets-toi ici. Pourquoi? Que je te vois en face. Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois faire des enfants. Je ne peux pas le faire tout seul. Hein. Non, il te faut une femme. Au printemps, j'ai parfois bien envie, oui. Mais bon, qui voudrait venir habiter ici? Il faut la forcer. Tu crois que ça marche comme ça? Tu as peur? Non. J'ai pas peur, hein, mais ça se fait pas comme ça. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Pas comme ça, à la 6-4-2. Hein. Si je t'en amène une, tu la prendrais? Tu sais où elle est? Non. Et tu la connais? Non. Où est-ce que tu la trouveras? Comment trouves-tu tes lièvres? Ça, c'est facile, hein? Oui, pour toi. Mais si je t'en amène une, de femme, tu la prendras? Oui, je la prendrai. Je te l'amènerai. Quand? Quand les fleurs seront plus grosses. T'as plus qu'à attendre. Amène-la vite, alors. D'abord, je vais pisser. Et puis, je vais à Bourette. Ils donnent un sac de patates pour deux lièvres. Mais
Après, Tanon, on doit attaquer le plateau. Ça, c'est pénible. Et ça dure 4 jours. La route est défoncée là-haut. Il faut bien connaître son chemin. Et puis, il y a beaucoup de vent. Il n'y a pas de ferme ? Là-haut, il n'y a rien. Un ou deux villages fantômes, c'est tout. Pourquoi tu dis village fantôme ? Parce qu'il n'y reste plus personne. C'est dommage. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a personne pour regarder, c'est moi qui la traînerai la baraque. Allez, sois gentil. Hey, et surtout que j'avais une surprise pour toi. Hein. Et là, un cadeau. Tu entends ? Un cadeau. Qu'est-ce que c'est ? Comme les chemins ne sont pas bons là-haut, je t'ai acheté des souliers de femme. Des souliers de femme ? Voilà, des souliers de femme. Oh. Ça fait 2 ans que je n'en ai pas mis. Merci, j'ai des muscles. T'es bien brave. Je croyais que tu allais dire, quand on a un âne, il faut aussi lui acheter des fers. Pourquoi le dirais-je ? Puisque tu le dis toi-même. Et puis, hein? Et puis, un âne, hein, quand il a des vieux fers qui lui font mal, hein, peut être bien content que lui en mette nouveau. Hein? Voici le dernier village avant le plateau. Je sais, j'ai peur. Peur? Pourquoi? Parce que là-haut, il n'y a rien. Alors on peut dire que tu as peur de rien. J'ai peur quand même. Si tu me le dis encore 4 fois, tu vas me faire peur à moi aussi et ça n'arrangera pas les affaires. Hein? Allez, tiens, il y a une alouette dans la roue. Nous avons déjà de la compagnie. On ne s'est pas trompé? Non, non, avance. Là-bas, qu'est-ce que c'est? Rien, un arbre. T'es sûr? Qu'est-ce que ce serait d'autre? Avance, je te dis. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quoi? Là, entre les buissons avec des bras, on dirait. Mais ça, c'est encore un arbre. Attends un peu, je me demande si l'on ne s'est pas trompé. Il n'y avait pas tant d'arbres avant. C'est pourtant bien un arbre. Qu'est-ce que ça pourrait être autrement? Un fantôme peut-être. Ne dis pas ce mot, tu vas en faire venir. Marche, tu regardes tout, toi. Oh! Quoi? Là. Quoi là? Ça a fait hop. Qu'est-ce qu'il a fait hop? Un arbre. T'en as déjà vu, toi? Des arbres qui font hop. T'as quelque chose dans l'œil? Pétasse. Ding, ding, ding. Mets-toi. Oh, je dirais pas la maison de... Monsieur le coiffeur. Monsieur, qu'y a-t-il pour votre service? Ce serait pour me couper la barbe. Il faudra probablement un sécateur. Hein? J'aurais peur de vous couper la tête. Qu'en pensez-vous? Je pense bien. Il vaut mieux ne pas la couper. Hein? Hein? La tête, je veux dire. Asseyez-vous. Et ça va me gêner, hein, ces paquets? Ça ne fait rien. Faites bon. Comme vous pourrez. Hein? Et comment je vous la coupe? Toutes? Oui, toutes. La moustache aussi, hein? Non, pas la moustache. Pas hein. La moustache, ok. Ouh, je vais devoir vous le faire en 2 ou 3 fois. Oui. Combien ça va me coûter? Ça n'a pas de prix, mais pour vous, ça sera 2 francs. C'est bon. Hop, hop, hop. Ouh, j'espère qu'elle me reconnaîtra. Je l'espère aussi. Ouh! Pas sur le marché au blé, mais derrière les chevaux de bois. Là où d'habitude on y met les mulets. Il y a là quelqu'un, avec 6 sacs. Il ne dit rien, personne. Il est là, il regarde et il attend. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Du blé, il m'a dit. Et le plus fort, c'est que c'est vrai. Monsieur Astruc, je vous connais depuis longtemps. Du blé comme ça, vous n'en avez jamais vu. Agathon, je reviens, remplis mon verre. Voilà l'ami, je vous ai tout dit. Ça vous empêche d'être blousé, hein, non?
Je vous ai vu à la foire et on m'a dit que vous savez où elle est. Oui, je sais, oui. Elle est ici avec moi. Et alors? Alors, rien. Après tout ce que je vous ai dit. Oui, après tout ce que vous m'avez dit, parce que ça ne compte pas, voilà. Et si elle est si mauvaise que ça, vous devez être bien content d'en être débarrassé, hein? Dans un sens, je suis content, hein? Ah. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était ma femme, hein? Ah oui! Et je l'ai sauvée. Tu sais, des buts étaient en train de la violer. Moi, je l'ai sauvée, hein? Ah, moi aussi, vous m'avez sauvé, dites-vous. Si, c'est vrai, oui. J'ai sauvé beaucoup de gens, moi. Hein? Si vous saviez combien. Vous n'avez pas vraiment l'air d'un sauveur, hein? Pourtant, en tout cas, c'était ma femme et je l'ai nourrie pendant des mois et des mois, hein, moi. Vous l'avez nourrie? C'est possible, oui. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'elle vous donnerait sa vie? Qu'elle en serait heureuse, tellement heureuse qu'elle passerait le reste de ses jours avec vous? Écoutez, ne vous fâchez pas, hein. On est ici pour se parler, pour tout se dire face à face. Bon, ça ne doit pas être drôle de vivre tout le temps avec vous, hein. Vous me comprenez? Il vous l'a dit? Non, elle ne m'en a jamais parlé. Justement, ça ne doit pas être de bons souvenirs. Ce que je veux dire, vous lui avez donné à manger, et moi je trouve que c'est payé. Bon. Bon, c'est payé, dites-vous. Bon. Seulement, je suis vieux, hein. Pour moi, c'était aussi un peu de la compagnie. Et puis, j'aime autant vous le dire, elle me traînait la baraque. Plein d'humour, hein, ça me paraît, c'est gentil, gai, sympathique, vraiment bien. Ouais. Avec ce très bel accent qui bouleverse tout. Vous voyez, j'ai même droit à la carte. C'est pas beau, ça. Moi, j'ai droit à l'objectif. On n'a pas voulu me voir, mais j'ai droit à l'objectif. Vous avez été formidable. Et votre accent nous a prouvé que ce thème est universel. Ah ouais, c'est ça. Santé. C'est ce que vous vouliez prouver. J'ai vu de la bière belge à Avignon. Il y avait une compagnie belge, les baladins des miroirs, les belges.